Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pepup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer ensemble une nouvelle série sur la chaîne. On va retourner sur Command Conquer, on va faire la suite d'Alerte Rouge 2 avec l'extension qui est sortie peu de temps après. Il s'agit de la revanche de Yuri qui prend place peu de temps après les événements du Alerte Rouge original. Dans le Alerte Rouge 2, c'est les alliés qui ont gagné dans l'histoire, c'est la version canonique, comme à chaque fois. Mais nous, comme d'habitude, on va commencer par les soviets. Allez, c'est parti du coup, jeu solo, et on va lancer une nouvelle campagne, c'est parti. Nous sommes passés en Def Code 2. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, lieutenant ? Il est revenu, monsieur le président. Je suis sûre que vous reconnaîtrez cet homme. Nous le connaissons sous le nom de Yuri, le conseiller en fuite du président Romanov. Pendant que nous étions occupés à combattre les soviets, Yuri utilisait ce système de contrôle mental pour réunir une armée secrète bien à lui. Un groupe d'initiés de Yuri a pris l'île d'Alcatraz, ici, à San Francisco. Ils y ont construit une sorte d'appareil. Et quelle sorte d'appareil ? Je peux vous expliquer, monsieur le président. Yuri. Il s'agit en fait d'un psychodominateur. Il y a un réseau de ces machines réparties dans le monde entier. Encore une ruse pour contrôler les esprits? Pas de ruse, monsieur le président. Dans quelques minutes, je vais lâcher un raz-de-marée d'énergie psychique conçu pour dominer le mental de toute une planète. Vous n'aurez plus votre volonté, seulement ma volonté. Yuri, la guerre est finie. On ne pourrait pas s'arranger. Oh, et si je vous accordais notre pardon présidentiel? Votre pays a besoin d'un chef. Pourquoi pas vous? Pourquoi me contenter d'une seule nation? Si je peux contrôler le monde, monsieur le président. Assez de menaces. Nous sommes la nation de la Terre la plus puissante. Nous avons gagné la guerre, non? Vraiment? Ah oui. Je ne crois pas. Monsieur le Président, il se passe quelque chose. Ils sont en train de déployer l'appareil. Appelez l'aviation. Je veux que cette tour soit détruite. Commandement, ici Beaujoin, nous sommes sur place. Compris Beaujoin, la cible est située sur l'île d'Alcatraz, vecteur 270 à 10 000. Cible repérée, à l'attaque, c'est parti! Camarade leader, les armées alliées ont endommagé une de nos centrales à San Francisco. Le psychodominateur d'Alcatraz est hors service. C'est très ennuyeux. Mais nous avons d'autres machines. Je crois qu'il est temps de les activer. Vague d'énergie sur la planète. Mon Dieu, ce cinglé va vraiment faire ce qu'il dit. Que Dieu nous protège. Alors, du coup, après cette vidéo d'intro, comme je vous l'ai dit, on va commencer du coup avec les soviétiques. Nous leur ferons la peau. Et c'est parti du coup pour la campagne soviétique d'Alerte Rouge 2, la revanche de Yuri. Camarade général, je suis très heureuse de vous revoir, même dans de telles circonstances.
Ce traître de Yuri a activé deux de ses psychodominateurs perfides. Les villes du monde entier sont maintenant en son pouvoir. Heureusement, nous avons découvert le plan des Américains pour modifier les événements de ces dernières heures. Un instant, camarade. Je reçois un important message sur une longueur d'onde secrète. C'est bon de voir un ami, camarade général. Malheureusement, j'ai très peu de temps. Les Alliés créent une nouvelle technologie pour pouvoir remonter le temps. Les Américains veulent utiliser cette machine pour revenir plus tôt dans la guerre. Là, ils détruiront les psychodominateurs construits par Yuri avant qu'ils ne soient terminés. Camarade général, si vous capturez cette machine temporelle américaine, nous aurons l'opportunité de changer l'histoire et d'assurer la victoire soviétique. Le sort de l'Union soviétique et du monde entier est entre vos mains. Je dois m'en aller. La camarade Sophia a enregistré ce message pour me le remettre elle-même dans le passé. Dans ce qui est dernier, camarade général. Ok, du coup, c'est parti pour la première mission. Contrôle du champ de bataille en cours. Voici l'île d'Alcatraz, camarade. Ce sera notre cible principale quand nous serons arrivés dans le passé. Mais nous devons d'abord capturer la machine temporelle. Des renforts sont arrivés. Ok, a priori, on va retourner dans le passé. Contrôlé, camarade. Commandant, il faut détruire la marine alliée et ses super canons si nous voulons que nos transports puissent approcher. Contrôle de la bataille activé. Allez, c'est parti. Navire rapport. Feu à volonté. Trouvez les gaz. Envoyez les torpilles. Bon emploi pour la pêche. Unité perdue. Ok, on va voir nos calamars qui vont s'attaquer un petit peu au bout en bateau. Pression rapprochée. Okay. Un peu. Oui, commandant. Cible en vue. L'eau est bonne, hein? Ok, voilà pour ça. Torpille armée. On le tient sur le sonar. Unité perdue. On va les laisser faire, on a les calamars qui du coup s'attaquent à tout ça. On reste deux sous-marins, on a récupéré trois bateaux qui sont revenus. Enfin ça on n'a pas beaucoup de vision sur la carte hein, donc Torpille armée. Bon on peut rien faire de toute façon tant que le calamar s'en occupe. Joli temps pour une croisière. Salut mon bateau. Une escapade touristique. La mer a des oreilles. Discrétion. La mer a des oreilles. La mer a des oreilles. Pression, ok. Voilà, hop là. Contrôle 1. Les 2. Les 3. Oui, commandant. En 3 pour l'instant. Objectif atteint. Des renforts sont arrivés. Ok, donc on va passer en terrestre, a priori, ensuite. Transmission en cours. La machine temporelle est actuellement au sud du Golden Gate Bridge. Les troupes de Yuri s'emparent des centrales opérationnelles pour pouvoir activer le psychodominateur sur l'île d'Alcatraz. Nos forces sont ici. Si vous voulez capturer avec succès la machine temporelle des Américains, je vous conseille de faire vite. À présent, vous et vos troupes devez prendre le contrôle de la machine temporelle. Une fois celle-ci capturée, nous pourrons remonter dans le temps et détruire le psychodominateur. Ok, pas de problème.
Boris, au rapport. Voici Boris, camarade général. Il possède les meilleures armes disponibles et un grade suffisant pour pouvoir ordonner un raid aérien. C'est l'un des héros du peuple soviétique. Bonne chance, camarade. Contrôle de la bataille activé. Alors, vous, hop, déjà, contrôle 3, vous vous mettez de côté parce qu'on va avoir besoin de vous. Je marquerai la cible. Prends ça. Voilà, toutes les autres. On attend les autres. Je marquerai la cible. Localisation confirmée. Prenez le contrôle des hôpitaux civils. Ils vous procureront des soins médicaux pour vos troupes. Travail en cours. Vérification des schémas. Véhicule au rapport. Contact avec l'ennemi. Contact avec l'ennemi. D'accord. Ne me cherchez pas. Goûtez à la fureur de Boris. Prêt, camarades. Nous leur ferons la peau. Unité perdue. Hôpital Bri. Ah oui. Les alliés ont équipé certains de leurs GI avec des armes anti-char. Ces gardiens GI constituent désormais une réelle menace pour nos gardiens. Il serait bon de leur présenter nos chiens. Nous leur ferons la peau. Ça avance tranquillement. Déplacement. Outil prêt. Oui, camarade général. Attends. Unité perdue. Yes, bon, on continue d'avancer. Bon, ça se vite, hein, c'est la première mission, c'est normal. À l'attaque. Boris, à vos ordres. J'ai une mission importante. Boris, à vos ordres. Organisation confirmée. J'ai les renseignements nécessaires. En route. Attendons les attaques. Unité perdue. On va essayer ça, voir ce que fait les MIG. Localisation confirmée. On va se les faire avec Yuri, avec Boris, pardon. Je dégage un petit peu tout pour l'instant. On va les détruire. Promotion de l'unité.
L'avenir de la Russie est entre mes mains. Véhicule, localisation confirmée. Oui, camarade général. Boris, à vos ordres. Faites venir les MiG. Outils prêts. Oui, commandant. Faire revenir les ingés. Je pense que c'est là-dedans qu'il faut que j'aille pour l'objectif. Je marquerai la cible. Faites venir les MiG. Prêt, camarade. Changement de position. Outil prêt. Vérification des schémas. Détruisez les blocos autour de la... Ah, pardon. Ok, j'avais pas vu qu'il y avait 4 blocos. Unité perdue. À vos ordres. Faites venir les MiG. Ouais, les trucs, c'est pas un problème. Que je perds pas sur la première mission quand même. Je veux pas envoyer eux parce qu'ils seraient capables de détruire ça. Oui, camarade général. Faites venir les MiG. Attendons les ordres. Rond la pompe. Contact avec l'ennemi. Renfort à l'attaque. Ah, localisation confirmée. Déplacement. Ne me cherchez pas. Eux, ils m'embêtent. On va commencer par détruire ça. T'approches pas trop sinon tu vas te faire tirer dessus. Après, il va me rester les deux autour hein, et on va pouvoir prendre la machine à remonter dans le temps. Ne me cherchez pas. Faites venir les MiG. Hop, encore un à faire. Venir les MiG. On va pouvoir après envoyer l'ingénieur ici pour récupérer le bâtiment. Raid aérien confirmé. Objectif atteint. Commandant, la machine temporelle est à court d'énergie. Nous devons capturer les centrales qui se trouvent à proximité. Un groupe d'ingénieurs va être parachuté sur place pour vous aider. Les ateliers permettent de réparer nos véhicules à mesure qu'ils encaissent des dégâts. Ok, donc on a récupéré la machine. Par contre, on a besoin d'énergie. Examen des diagrammes. Des renforts sont arrivés. Commandant, les ingénieurs de Yuri essaient de prendre le contrôle des centrales de la ville. S'ils en capturent suffisamment, ils pourront mettre en marche le psychodominateur et nous serons tous perdus. Outils prêts. Oui, commandant. Examen des diagrammes. J'ai les renseignements nécessaires. Vérification des schémas. Véhicule. Ok, alors où est-ce qu'ils sont ces ingénieurs de Yuri? Localisation confirmée.
outils prêts. Atelier prêt. Vérification des schémas. Vos véhicules seront désormais réparés automatiquement. Outils prêts. Vérification des schémas. Outils prêts. Ok, ils arrivent par là, les vérification des schémas. Je les vois. Attendons les ordres. Tact avec l'ennemi. J'ai les renseignements nécessaires. Promotion d'une unité. Unité perdue. Localisation confirmée. Notre base subit une attaque. Promotion d'une unité. Promotion de l'unité. Boris, à vos ordres. Mourez, traître. Ça y est, nous avons assez de puissance. Nous okay. entamons le voyage temporel. D'accord. Ok, on est autour des dinosaures. Nous sommes arrivés dans le passé, camarade général. Mais malheureusement, nos super ingénieurs soviétiques ont un peu trop augmenté l'efficacité des centrales américaines, j'en ai peur. Nous sommes arrivés plus de 65 millions d'années dans le passé. Ne bougez pas, camarade, nous allons tenter un autre saut dans le temps. Ok, contrôle de la bataille deux activée. Minutes. Oh là, j'entends des gros trucs, attendez. Véhicule au rapport. Localisation on doit faire quoi? On doit se faire tirer ça? Déplacement. Promotion de l'unité. Déplacement. Contact avec l'ennemi. Promotion de l'unité. Changement de position. Promotion de l'unité. En vue. Déplacement. Ça c'est fun. Allez, encore 30 secondes, à attendre. Localisation confirmée. Localisation confirmée. Promotion de l'unité. Nous leur ferons la peau. Promotion de l'unité. La machine temporelle fonctionne. Approchez-vous, commandant. En route pour le passé. Promotion de l'unité. Transmission en cours. Bien joué, camarade général. Nous sommes arrivés à destination. Nous n'aurons pas d'autre chance. Nous sommes arrivés à San Francisco à l'époque de la première occupation soviétique. Le psychodominateur est encore en construction sur l'île d'Alcatraz. Vous devez soumettre les forces de Yuri et amener Boris, notre commando spécial, à portée visuelle de la machine. Une fois sur place, contrôle de la bataille activé. Si nos estimations sont exactes, commandant, une base soviétique devrait se trouver non loin d'ici. Trouvez-la et prenez-en le commandement. Alors, il va falloir prendre le contrôle de la base soviétique ensuite. Ok, ah, attendez, parce que moi, il y a beaucoup de... Ils me font peur, eux. Où est-ce qu'il est, Boris? Allez, je suis en train de regarder au plus près de mon écran pour essayer de le trouver. Là. Ne me cherchez pas. À qui le tour? Raid aérien confirmé. On va se dégager juste la sortie. Et après ça, on avance. Raid aérien confirmé. Mais elle est marrante cette première mission. Changement de position. Localisation confirmée. Boris, à vos ordres. L'avenir de la Russie est entre mes mains. Véhicule déplacement. Rapport. Cible en vue. Localisation confirmée. Changement de position. Oui, camarade général.
avec moi. Rien de précis. Véhicule et placement. Ah, elle est là. Ok, nickel. Très bien. Vous avez pris le commandement de cette base. Localisation. Maintenant, mettez sur pied une force d'intervention conséquente et détruisez le psychodominateur. Nouvelles options de construction. Hors de question de plonger là-dedans. Servez-vous du chantier naval pour me procurer un cuirassé convoyeur. Un cuirassé convoyeur. Est-ce que c'est le amphibie, c'est ça qui appelle ça? Je regarde sur la carte. Notre base subit une attaque. Examen des diagrammes. Boris, à vos ordres. L'avenir de la Russie est entre mes mains. Hop, voilà, on a récupéré un petit peu d'énergie, très bien. Navette en attente des passagers. Pas trop près du combat. Je regarde sur la carte. Est-ce qu'il y a de... Il y a de l'or à récupérer par là, ok. Nous sommes armés. Oui, on aura besoin de ça. Navette en attente des passagers. Je vérifie l'itinéraire. Notre base subit une attaque. Je reste à couvert. Pas trop près du combat. Je regarde sur la carte. Attaque. En réparation. Déplacement. Notre base subit une attaque. En réparation. Contact avec l'ennemi. Unité réparée. Localisation okay. Confirmée. En construction. Véhicule en rapport. Position. Contact avec l'ennemi. Nous leur ferons la peau. Unité perdue. Contact. Unité prête. Contact avec l'ennemi. Cible en vue. Localisation confirmée. Cible en vue. Nous leur ferons la peau. Unité prête. En construction. Tac, on peut commencer quelques constructions. Promotion de l'unité. Localisation confirmée. On va faire un tour. Notre base subit une attaque. Navette en attente de passage. Unité prête. En construction. Localisation confirmée. Construction terminée. Changement de position. Unité prête. Prêt, camarade. Avec l'ennemi. Hop, voilà pour ça. Unité prête. Je ne suis pas armée, vous savez. On va faire un tour. Je regarde sur la carte. Je sais pas trop ce qu'il y a comme défense sur l'île, mais il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, mais bon. Unité prête. Notre base subit une attaque. Oui, camarade. Un jeu d'enfant. Attendons les armes. Changement de position. Vous allez où? Je vérifie l'itinéraire.
J'ai vérifié l'itinéraire. Énergie faible. En réparation. Notre base subit une attaque. Promotion de l'unité. Contact avec l'ennemi. On va faire un tour? Prêt, camarade. Localisation confirmée. On va faire un tour? Pas trop près du combat. Je dépose quelqu'un. Vous allez où? Pas trop près du combat. Ok, celui-là est chargé. Et il y a Boris dedans. Attendons les ordres. Déplacement. En construction. Promotion de l'unité. Travaillons. Vérification des schémas. Travail en cours. En route. Unité prête. Vous allez où? Véhicule au rapport. Changement de position. J'ai perdu beaucoup de défense, donc ça devrait suffire. On va faire un tour? Je regarde sur la carte. Unité prête. Ouais, directement ici, déchargé. Je ne suis pas armé, vous savez. Ça devrait, ça devrait être suffisant. Unité prête. Unité perdue. Je ne suis pas armé, vous savez. Je regarde sur la carte. Unité perdue. Je ne suis pas armé, vous savez. Changement de position. Boris, à vos ordres. Goûtez à la fureur de Boris. Hop, les mix sont en route, très bien. Et voilà. Mission accomplie. Nickel. Alors, oula. Désolé, il y a des choses qui n'aiment pas quand on repasse dessus, mais bon. Allez, on a terminé du coup cette mission en 27 minutes et 13 secondes. Et puis, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode sur Alerte Rouge 2, la revanche de Yuri, vous aura plu. On se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.